Bienvenue sur Terre Éternelle, BST du CGT, Conseil Galactique Temporel. Petit café au lait et tartine, on va se faire. Bon, il n'y a que le lait qui n'est pas périmé et le sucre et la confusion. Bon, c'est pas ça que je veux dire. En ce ciel, mon mardi, quatrième jour, et le quatrième jour, il leur dit. Le vrai songe du matin, ou la vision, là c'est un truc de fou. Et le quatrième jour, il devait leur dire. Et déjà, tu prépares pour demain, parce que c'est le mercredi, c'est le jour de tous les enfants du monde. C'était un espèce de grand carrefour, on va dire, carrefour TNL, TCL, Téléternel. TCL, c'est moi. Il y avait des feux tricolores. Mais c'était le bleu, le jaune et le vert. Ça voulait dire pour que la planète bleue reste verte. Et toi, t'es arrivé au passage. Il n'est pas sanitaire, il n'est pas du tout comme ça. Mais t'avais tout ton espace-temps. Et à chaque fois que tu traversais, t'allais dans tous les pays, t'étais devenu surpape du moteur de la vie. T'étais interprète, je sais pas, comme Crossword, les chemins de la gloire, quand le jeune, il emmène le vieux racheter son âme au diable, qui déchire le contrat. C'est beau pour les gosses, mais c'était à peu près ça. C'est surtout sur le fait de lire Christ Roi, que je m'y vois complètement, comme dans Da Vinci Code, comme dans La Nuit des Temps, ou Ravage, René Barjavel, Voyageur imprudent, Évangile selon Guillemant, il a dit qu'on était vraiment dans la merde, La Numérisation de l'âme. Quand je vois les gens, comme le niveau il est bas, moi je me sens bien un bœuf au snug. Donc, c'est comme ça que je devenais chef d'état d'âme. J'étais invité dans tous les pays, par où il y a des sages, pas par ceux qui veulent la guerre et ceux qui veulent le pouvoir et le pognon. C'était le contraire du Big Macaron, Big Machiavel. Hein, Jean-Michel? C'est trop gnon. C'est trop mieux. Pas la vision, je me suis réveillé, waouh. Donc, il fallait organiser un vote, parce que dans Christ Roi, c'est écrit que s'il en manque, c'était un chef d'état d'âme. C'est normalement la raison pour laquelle je suis encore en vie. Après 3 EMI, après. C'est compliqué le truc. Bon. Alors, il s'agissait de faire un vote universel pour un chef d'état d'âme incontestable. Il faut que tout le monde qui vote. Des enfants de 7 ans jusqu'aux 90 ans, jusqu'au dernier jour. Ça, c'est pour le devenir de l'ensemble. Pour réparer 2020 ans de conneries. 2021. Puisqu'on a l'an 2 de l'ère quaternaire. En 2021, j'ai pris 3 baffes dans le calculateur. Ça m'a fait chier. Puis tu me boule-boule, là, tu m'as pété les dents. Il y a toujours dans les manifs, là, tu m'avais tout volé. L'autre, c'est quoi ce délire? Il n'y a personne d'honnête sur cette planète? Et les rois mages, que si bon, putain, ils pourraient donner du pognon, ils ont planqué 11 300 milliards dans le désert. Puis je veux toujours ma Vierge Marie, puis c'est pas que je la veux. L'épouse qu'il choisit pour partager l'alliance et partager sa vie. C'est pas compliqué, la lune d'Annonciation 2009, moi j'étais allé au Maroc. J'essayais d'être chrétien non crétin. J'avais épousé une musulmane, enfin d'origine musulmane, pour faire une grosse teuf avec les juifs, comme ça on réglait le premier problème direct. Et puis il y avait la paix sur terre. Être imposable de quoi? Vos lois terrestres n'ont rien de céleste. J'y vais tous les jours au plafond, je sais comment que c'est, je le vois tous les jours, ce que vous appelez le bon Dieu. C'est la quatrième dimension, et vous êtes qu'en 3D.
Forcément, on ne vous a pas appris rien. Tous les jours, c'est l'école de la vie. Tu portes ta croix, mec. Bon, moi, je l'avais commandé en balsa. J'avais trop mal au dos quand je travaillais. C'était moins lourd. 2009, je me rappelle le retour en avion. Alors, je suis remonté jusqu'à quand j'avais 2 ans. C'est très bien, les psychologues. Les psychiatres, non. C'est criminel. Mais les psychologues, c'est très bien. Parce qu'ils ne savent même pas les cachetons qu'ils te donnent, comment ça débranche le cerveau. C'est des dérivés de SS, de l'eugénisme. Les débuts de la psychiatrie, c'est terrible. Par contre, j'aimerais bien savoir de quoi il est mort. Ils sont morts, les Bogdanov, là. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait comme mutation génétique? C'était des bons gars, normalement. Remarque, tu regardes la gueule à Macron, on dirait que c'est un bon gars. C'est une ordure. Bon, la tête à Chirac, tu savais qu'il avait une tête de vautour. Hein. Le Mitterrand, c'est lui qui a tout censuré. En plus, il était né à Jarnac. Faut rassembler les informations dans ton disque mou. Pour ça que ça devait être le réveil des disques mous. Bon, on n'est que le 4e jour, mais ça bouge pas vite. Faut organiser des élections planétaires et un RIC planétaire. Moi, j'en ai rien à foutre, je suis déjà mort 3 fois. Hein. Mais je dois laisser ma trace de crise de Nice. Sais quoi, je vais au manif, si je dois être mouru, ben je serai mouru. Maintenant, c'est l'histoire du jugement premier. Pourquoi vous voulez qu'il y ait un jugement dernier s'il n'y a pas un premier? C'est maintenant. Prochaines élections, c'est carton jaune. C'est comme ça. C'est marqué dans Christian Moi. Tu es ton seul chef, tu fais qu'est-ce qu'il dit le patron d'en haut. De la 4D. Tu dois être juste et bon. Là-haut, ils en ont rien à foutre si tu bois un coup ou pas, c'est que de la connerie. C'est tous des trucs qu'ils ont fait pour vous enlever l'approche du bien, de l'esprit. Puisqu'on est gouverné par le mal, le pognon. La vraie vie, c'est le partage. Avant, t'as le mec, il, je sais pas, il faisait des tomates, l'autre il faisait des poules, il changeait les œufs, il change un poulet, 3 tomates, je sais pas, c'était cool. L'autre il avait des moutons, l'autre il avait des vaches, je sais pas, il se démerdait. C'était plus cool, quoi. L'autre il était maçon, je sais pas, il partageait. Ils ont cloué leur chef, tan. Bon, j'espère que. Ça fait pas trop de giga, je suis déjà à 8 minutes. Et je faisais que commencer, c'est l'intro. Je sors de ma vision là. Bois mon café volé. Je fais mon redeuxième jour sans alcool. Pour être crédible, faut pas être bourré tout le temps. Mais moi, je veux être prophète en 2 mots. Prophète. Du son, de la musique. Quand tu joues bien, comme le pianiste, Steve, c'est quand ça va tellement vite que la lumière passe par tes doigts. Comment il reprend le Queen, c'est génial. Sur ces entrefaites, le jour s'était bien levé. Je me suis couché, c'était plus de 4 heures. Je suis réveillé, c'était vers 9 heures. Mon premier ciel Montmardi. En fait, je vis 2 jours par jour, des fois 3. Même sans boire, c'est pareil. Il y a l'astronomie, il y a l'astrologie et il y a l'alcoolologie. Ben, je suis chef. C'est pas de ma faute. Je crois que j'ai un problème dans ma tête. Ils me disent, ne t'inquiète pas, tu es conçu pour ça. Annonce-leur ce monde meilleur. Pour des siècles et des siècles, après 2020 ans de conneries humaines, des barbares tous, genre au nom du Graal, au nom de ça, ils n'ont rien compris en fait. Le Graal, c'est dans ton cœur, c'est dans ton âme. J'aimerais bien faire une prise de sang d'ADN et j'aimerais bien que tous les hommes politiques, là, tous les chefs de pouvoir, testent de consanguinité.
pour ça qu'ils ont besoin de sang. Pendant le Covid, pourquoi les transfusions de sang, ils étaient ouverts quand même? Parce qu'ils ont besoin de sang. Sinon, ils se transforment, c'est des reptiliens. On est colonisés, faut pas croire. Hein. Moi, j'ai vu un véritable de roman de science-fiction. Spielberg en tongs, Besson en string. Ah non, le cinquième élément, c'est quand même vachement bien. En plus, je connais la cantatrice. Elle est podologue de nos jours. Elle sauveur, c'est un des frères, des trois frères Corse, Garnier ou Garniro. Et ben, il s'appelle Sauveur. Ben, c'est le patron du contrôle technique. Bon, alors la cantatrice, elle est podologue. L'autre, il est au contrôle technique. 2% Saint-Luc, il est à la retraite. 2% Saint-Pierre aussi. C'était mon patron en feu vert. Il y avait quelque chose. C'est comme ça que j'ai visité Madagascar. Mon premier PEV, plan épargne de vacances. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mes jours de repos, je les travaillais à feu vert quand j'étais au café de Turin. Et j'ai dit, garde des sous, tu me payeras mon voyage à la fin de l'année, sinon je vais les boire. C'est ça aussi. L'alcoolologie, c'est la souffrance de l'âme. Tu vois bien que tu es un monde de traîtres. Tu es dans un monde. Tu gravites, tu oscilles autour d'un tas de connards, cons comme des balais, la plupart. Mais ils sont tous chefs. Ils occupent tout. Il faut écouter Pierre Gilbert en 95. Déjà, il balançait le morceau. Faut écouter Trust en 80. Déjà, c'était mes fans. Et mon prophète, c'était Coluche. Bon, 11 minutes, on va se calmer. Peut-être ça passera pas. Puis ça fait trop d'informations à comprendre.